Rebonjour. Nous sommes le jeudi 29. Alors, la suite du vidéo précédent. Je vous invite à prendre des notes afin de tout comprendre. Faites les liens et vous allez voir une belle toile d'araignée qui va se dessiner sous vos yeux. Je débute avec André Pitt. Il a facturé 8 500 $ à la Fondation pour son reportage à Toronto. TVA ou Radio-Canada ne facture pas pour un reportage. Il a un studio super équipé qui existe grâce à vos dons. Il a fondé une église pour les athées, donc pas d'impôts. Il peut demander des subventions pour aide au peuple. Et il défend un pédophile, car il veut devenir le studio pourri pour les politiciens et n'y seront invités que les élites. Fini le petit peuple qui l'a engraissé. Probablement franc-maçon. Jean-Jacques Crèvecœur. Beau bonhomme qui vend du bonheur, tout comme l'Auto-Québec. Il vous conjure d'être des contaminateurs d'amour. Il aime tout le monde et l'amour va gagner sur la haine. La lumière va gagner. Réfléchissez un peu. Quand le soir arrive, la lumière attrise son camp. Et Jean-Jacques fait alliance avec Silvano Trotta, qui est propriétaire de plusieurs compagnies de technologie et qui vend de la 5G. Donc, par alliance, Jean-Jacques Crèvecœur est pour la 5G, la technologie qui va vous contrôler. Probablement franc-maçon. Daniel Tadros, vous connaissez? C'est lui qui a commencé à faire ça. Là, il profite de la situation, parce qu'il est ami avec tout le monde, pour vendre des CD de formation sur la monnaie numérique. Et comble de stupidité, il vend des masques. Il participe à une manif pour nos droits et libertés. Tous les activistes sont contre le masque et lui, il pousse encore le bâton plus loin en vendant des masques et en vous demandant des dons. Il n'est pas là pour vous, mais pour faire du cash. Il vous enfonce le bâton jusqu'au trognon. Probablement franc-maçon. Amélie Paul. Puis apparaît Amélie Paul, amie depuis au moins 10 ans avec les Tadros. Elle fait des reportages, des interviews. Avez-vous vu les caméras professionnelles qu'elle utilise? Ça vaut entre 8 et 10 000 $ la caméra. Elle en a au moins deux. Et avez-vous vu tout son équipement? C'est qui finance tout ça? Probablement franc-maçon. Daniel Saint-Hilaire. Mais elle est un petit peu bloc québécois, citoyen au pouvoir. Réfléchissez un peu. Pour lui, perdre, ce n'est pas une option. Probablement franc-maçon. Lucie Laurier. On ne sait pas ce qu'elle représente et ce qu'elle fait là. Ils ont voulu une vedette avec des gros seins au grand décolleté. Une image qui va attirer les foules. Mais elle n'a pas attiré aucun artiste. Elle est supportée par les Raéliens. Qui la paye pour ses petits discours qui n'ont pas beaucoup de contenu? Probablement franc-maçon. Daniel Pilon, le fou du roi qui vous tient des discours insipides, manipulateur et adepte d'Avenir Québec, fait semblant d'être au courant de gros secrets. Il vous fait un show minable et vous demande des dons. Mais pourquoi des dons? Avez-vous l'impression qu'il travaille pour la nation? En fait, probablement franc-maçon. Stéphane Blais, chef de citoyens au pouvoir et chef de la Fondation pour la défense des droits et libertés. Il nage dans un immense conflit d'intérêts car il mélange les deux fonctions. Incapable de travailler en groupe, il doit tout contrôler. Dans deux semaines, les avocats vont aborder le pourquoi. Et ne pas oublier la loi 61, maintenant devenue la loi 66. On va s'en occuper. On a fait trembler le gouvernement et on va continuer. Concernant la vaccination obligatoire, le dossier est prêt. Les avocats vont attendre de voir si Galletti va gagner en Ontario et ensuite ils vont déposer la même injonction. Il faut aussi s'occuper des autres professionnels qui adhèrent au narratif public. Alors ils sautent d'un point à l'autre et dans le fond, il ne vous dit absolument rien. Il ajoute, nous allons défendre les intrusions dans les maisons.
et l'injonction pour ne pas fermer les commerces. C'est ce qu'ils ferment. Ils sont fermés, les commerces, tu ne les vois pas. Alors, ouvrez vos porte-monnaies. Ils n'arrêtent pas de vous dire « soyez patient ». Mais pourquoi? C'est-tu parce que la patience, plus ça prend de temps, plus il y a d'argent qui rentre dans les caisses? Probablement franc-maçon. Jean Durie, le spécialiste des pédophiles. Vous vous rappelez Jean-François Harrison de VRAC TV, qui avait des fichiers, des photos, des vidéos, il était en possession et distribution de porno juvénile. Magnotta, celui qui a mangé des parties du cadavre du jeune Chinois. Et André Fèvre, lui, il avait un club social de pédophilie sur Internet. Jean Durie et Réginald Victorin, ils ont un simple mandat de consultation et d'exploration. Ils ne peuvent reprendre le pourvoi de Maître Bertrand, car ils doivent le corriger et le monter selon leur vision à eux, probablement francs-maçons. Rassemblement au Parc Géry. Ça devait être le summum de toutes les manifs. Parmi les invités, 4 pasteurs, dont un qui bosse ses enfants. Et ça passait aux nouvelles, d'ailleurs. Probablement franc-maçon. Alexis Cossette. Il crie sur les tribunes, l'édifice craque de partout. Ça, c'est le discours de ceux qui croient qu'ils font trembler le gouvernement. Vous n'avez fait peur à personne. Je comprends tous les fans d'Alexis. Il a une belle gueule, il est sympathique. Mais il fait quoi pour le Québec à part dénoncer la COVID? Concernant le travail qu'il fait sur la politique des États-Unis, il fait comme des dizaines de médias alternatifs. Il va voir les articles de journaux, écoute les nouvelles anglaises et en fait un résumé et quelques prédictions. Mais concrètement, il fait quoi pour les Québécois? Lors d'un web journal, je lui ai écrit ceci. Seule porte de sortie, Alexis, 2 points, le conseil législatif. J'ai été supprimé. Probablement franc-maçon. Mario Roy. Lui, là, c'est celui qui poursuit tous ceux qui n'est pas d'accord avec son discours. Sur la vidéo de Annie Robichaud, la dame qui a préparé le document sur le désaveu, Mario dit qu'ils ont un bon système de sécurité et les commentaires niaiseux menacent tous ceux qui sont contre le système, il veut dire contre son système. Il nous dit qu'il a notre adresse IP, photo de famille et retrace les personnes qui sont potentiellement dangereuses pour le système. Et si nous allons à une manif, ces bodyguards ont notre photo et nous allons nous faire arrêter par la Sûreté du Québec. Ils ont des bodyguards. Mario Roy, Frédéric Pitt, ils sont escortés par des bodyguards. Mais c'est d'un ridicule épouvantable. Pourquoi qu'ils ont des bodyguards? Ça n'a jamais existé, ça. On a toujours eu des gens de la sécurité. Des bodyguards. Ils ont peur de quoi? Probablement franc-maçon. Et Mario semble avoir des entrées particulières avec la Sûreté du Québec. Est-ce que c'est un infiltré? Tient-il la Sûreté du Québec au courant de tout ce qui se discute entre les activistes? Est-ce qu'il déclare ce qu'il se prépare? Et il menace tout le monde de mise en demeure. Il doit toujours être celui qui pisse le plus loin. Et tout comme Stéphane Blais, il vole les idées d'action des gens et en prend le crédit en se pavanant devant les caméras et sur les tribunes. La seule façon de mettre le gouvernement dehors, c'est d'installer le conseil législatif. Et toute cette gang de manipulateurs-là le savent. Nous sommes manipulés et freinés dans tout. Faut-tu être manipulateur pour faire échouer un groupe qui ne cesse d'étudier les lois, un groupe qui propose le seul moyen qui existe afin que le peuple se prenne en main? Maintenant, je vous informe du Parti de l'Union nationale,
Voici l'histoire. M. Martin distribue des cartes de vente, car il faut 100 signatures pour repartir le parti. Des cartes sont remises à Mario, à Frédéric et un autre que je me souviens plus du nom. Ils vendent les cartes, tout comme nous, nous l'avons fait. Puis ils s'imposent dans un conseil d'administration provisoire, mais s'opposent formellement à ce que moi j'y suis en tant que représentante du conseil législatif. Et pire que ça, deux minutes après le début de la première rencontre, Mario Roy voulait mettre dehors Raymond Martin pour le remplacer. Le remplacer par qui, vous pensez? Et lors d'un zoom, lorsque Mario Roy m'a vu, il a dit « Ça sent la baise ». Bonne journée.